Oula, 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 oula. Oula, oula, attends, mais. Ah, mais y'a un gars là, attends. Ouah, first shot. Ouah, j'ai touché. Oh, 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 oh. No way. Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, pour la découverte de la bêta de Battlefield 2042. Ouais, bon, on se fait un petit mélange entre 2042. Enfin, un petit mélange entre les deux. Bref. On est là, la bêta, nous sommes sur PC, normalement je crois que je suis en 2K, je suis à la manette bien évidemment, et on va claquer du sniper, et des ennemis, on va tous les empapaouter mon pote, la mission vous la connaissez bien évidemment, tous les empapaouter! Alors, nous avons les différents opérateurs, je pense qu'on peut y aller attaquer au snipe direct, hein. Allez, allez, allez! En tout cas, il n'y a rien à dire, merde. Oh, oh Tommy, la tête que tu t'es pris. Le jeu est beau, hein. Je sais pas comment ça se voit sur Twitch, mais le jeu est beau, hein. La petite tête, mon pote, la petite tête. Shit. Ah, mais arrête de bouger! Il bouge aussi. Il bouge. Bon, c'est la première game. C'est la game de chauffe. Hein. Par contre, les chiens, ça a l'air d'être un truc chiant, non? Ouh! Le snipe est satisfaisant, en tout cas. Ah, quand tu mets des petites têtes comme ça, je peux te dire que... C'est buenito, hein. Ah. Ça, c'est moins buenito. Putain, j'ai vu. Oh la retombée. Il y a une petite retombée quand même, hein. À combien là? 300 mètres là? 330 mètres le petit kill là. Alors viens pas me tester mon petit pote. Je te mets la fessée. Je te mets la fessée. La petite retombée quand même hein, mais Ah, je pense que c'est une question de prise en main quoi. Bon, je joue pas l'objectif, mais bon ça... hein. Bon. Je dois en douter. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut là? Je te vois essayer de un petit peu intimider mon allié là. Casse-toi. Il était là, je recharge, non, rien du tout. Et je pense qu'avec le petit gun ça valait mieux pour aller vite. Où est-ce que sont les secteurs à récupérer là? Oula, 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 attends mais Ah mais y'a un gars là, attends. Ouah, first shot. Ouah, j'ai touché. Oh, 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 oh. No way. Oh my god. Oh la vache. 470 mètres, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Ouf, ça touche encore. Le M-Bot est activé. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah. Game Security, violation detected. Eh les gars, non, mais je rigolais quand je disais qu'il y avait un M-Bot. Hein. Oh! Les gars, c'était une blague. Et c'était une branque, les gars, oh. Je cheat pas. Allez hop, on est déjà banni pour cheat sur Battlefield. Mais les gars, oh merde. Alors, pour ceux qui savent pas, ça c'est un truc qui est génial. Pour personnaliser les armes, t'as juste appuyé sur L1, tu vois, t'appuies sur L1, et là t'as 4 axes. Et en fait, les 4 axes correspondent aux 4 boutons de la manette. Donc tu personnalises directement comme ça. C'est bien, non? Donc là, il a l'air d'avoir plus, on met celui-là, je sais pas si ça a changé un truc particulièrement, mais on va se mettre la petite lunette x6. Bang, nous sommes là. Tiens, prends-moi. Prends-moi à l'arrière de ton véhicule. Oh ouais. Pardon, je peux... Mais t'avances un peu avec ta trottinette, là.
Allez, et tu vois pas qu'ils veulent pas monter avec toi? Voilà, allez, barre-toi un peu là. Bon toutou. Non mais oh, non mais... Il s'arrête à côté, genre le mec il est dans la vraie vie, il est tubeur ou un truc comme ça, il est habitué à s'arrêter pour prendre des gens. Tu montes? Je suis désolé, j'ai plus de bouteille d'eau depuis 2019. Ok. Au début Uber mec, quand ça a commencé, ils avaient tous des bouteilles d'eau, des bonbons, des machins, ils t'ouvraient la porte même. Mec, au début ils t'ouvraient la porte. Maintenant c'est limite, il te dit à peine bonjour quoi. Allez, je me barre de là, moi je mets des petites têtes au snipe là, ça sera plus plaisant. Oula, y'a un gars là, y'a un gars. Ah, le malaise est présent. Mais bon, tout à l'heure, je me suis fait jarter du jeu par l'anti-cheat. Faut bien brouiller les pistes. Ah, y a une touchette. Y a une coulette. Voilà, regarde. Oh, merci. Oh, t'es... Ah bah je croyais que c'était un pote qui était à côté, mais c'était un ennemi, il m'a défoncé quoi. L'enfoiré. Bah écoute, on va essayer de prendre d'assaut le bâtiment là. Eh ouais, il y a des tiros là, nickel. Alors attends. Quoique, on peut même le faire à la mire pour là-haut. Yes. Let's go. Wouhou. Je sais pas où est-ce qu'elle a accroché la tiro. Son cul peut-être. Ça va. Oula. Et s'il y a du monde sur le toit, je vais prendre ça. Ah, shit. C'est pas grave, j'en ai eu deux. Bon après c'est vrai que là c'est un mode à grande échelle. Donc pour ceux qui aiment bien, on va dire, le style un peu plus combat rapproché, genre à la Call of, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais au moins ça te permet de jouer un petit peu au jeu, tranquillou. Graphiquement le jeu est beau, les armes, le feeling et tout, je trouve que bah, y a rien à dire là-dessus. C'est vrai qu'après c'est le mode de jeu qui est... que j'accroche pas forcément. Mais bon après ça c'est juste un avis perso quoi. Ça c'était mignon ça. Après si tu prends un mode de jeu à objectif plus restreint, effectivement il y a un peu plus d'ordre et un peu plus d'action et de confrontation. Ah bah attends, mais il y a un mec à revive là. Docteur, bougez pas docteur, j'arrive. Voilà, t'inquiète pas, l'autre il est passé à côté de toi et t'as marché dessus, limite tu t'aurais craché dessus, moi je suis là pour t'aider. Don't worry my friend. Don't even worry. Oula. Bien sûr qu'on a la victoire, mais bien sûr. Ils ont cru quoi les Russes? Nous on est les Américains. J'ai vu les films, on gagne toujours. On y va, on va essayer de se faire une petite game sympa au snipe. Des petits shoots de loin, des petits trucs par-ci par-là, essayer de s'y retrouver un petit peu sur cette map immense. Quoi? Non mais je... Très honnêtement, je suis un peu dubitatif par rapport à ce qui vient de se passer. Il avait le totem d'immunité. Sûrement ouais, sûrement. J'ai toujours ces petits bugs de son là. Ouh. Triple feed. Oh la triple feed. Par contre pourquoi j'ai ces bugs de son là comme ça, j'ai aucune idée.
On va aller là. Oh, on a l'hélico en plus. Allez, 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 allez. C'est un robot, non? Oh, il y a des robots ici, non? Ah, mais mec. L'idée des robots comme ça, là, des espèces de chiens robots. Pas si fan. Ah, je. Pas si fan. On va se remettre dans l'hélico. Ah puis en plus ça vient, il bouge tellement vite que même si je voulais tuer quelqu'un, je pourrais pas vraiment quoi. Il se fait dorer la pilule lui. Hein, c'est la nouvelle méthode hein, se faire bronzer l'anus, plein de vitamines il paraît. Il s'y est mis hein. Tiens. Tiens. Exécution. Celle-là, elle est passée. On va aller là-haut. Bon, faudrait que je vérifie ce petit problème de son. S'il y a des grésillements, c'est normal, ça vient de moi. Pas normal, non. Faudrait que je les règle, mais je sais pas d'où vient le problème en fait, donc c'est compliqué. Shit, scheisse. Bon, on va aller ailleurs. Hein. J'ai comme l'impression que ça pue du cul un peu dans le secteur. Tiens, on va aller là. Si on arrive à aller sur le toit. Regarde, schéma, stratégie. Wouhou! Ah! J'ai déployé le parachute peut-être un petit peu tard. Bon, ça c'était la stratégie pour de test. Je faisais un petit test de parachute. C'est une nouvelle marque, on teste un nouveau partenariat. Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'était moins cher et on ressent au niveau de la qualité les élastiques qui tiennent moins bien. Voilà. Ouais, ça va mieux là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Wow. Wow, 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 wow. Bon, où est-ce qu'il y a du monde là? J'ai envie de faire du kill. Allonge-toi, allonge-toi. Ah! Ça va faire lui. Ok. Ouais, c'est ça, défonce-le. Mais... Ah bah, mais y'a du ping, c'est pas possible. T'as vu comment le... Quand je tue le kill, comment il arrive bien après. Tout à l'heure, ça le... Je pense que c'est peut-être pour ça que je loupe les balles. Hein. Non mais c'est exactement pour ça que je loupe les balles. C'est... Attends. Non, 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 mais là, je crois que je suis tombé sur un serveur un peu loin. Eh, franchement, les gars, si je mettais pas les balles, c'est qu'il y avait du ping. C'est pas ma faute. Franchement, je pense qu'on est d'accord. En vrai, en toute honnêteté, je sais que bon, de temps en temps, on a un peu de mauvaise foi. En toute honnêteté, ça s'est senti quand j'ai fait le kill que le truc, il a apparu genre une seconde et demie après. Il y avait du ping. Il y avait du ping, les gars, c'est pas ma faute. Allez, on va se refaire une game depuis le début. Voilà, on va se faire une vraie game. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Quelqu'un veut me prendre là? On peut prendre un véhicule ou pas? Non, apparemment non. Ah voilà, regarde. Voilà! Là tout de suite tu ressens que au niveau du ping c'est mieux. Ah bah non mais attends mais... Voilà! Je veux dire, il y a un moment donné, quand tu donnes des preuves, c'est irréfutable. Hein. Après, encore une fois, hein, entre Call of et Battlefield, c'est pas du tout la même dynamique de jeu. Hein, donc les gens qui sont hypés par Battlefield sans jamais avoir joué au jeu, bah c'est normal qu'ils soient un peu déçus quoi. Mais... Ok. Help.
pochette. Ah! Voilà. Il a bien fait de le rire, hein. Merci mon ange gardien. Merci mon petit pote. Sector Alpha has been secured. What? Ok. Please. I need help, petit robot, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Aide-moi toi. Bon, tu peux me réa, hein, c'est pas parce que t'es un ennemi que tout de suite tu vas faire le genre je suis mieux que tout le monde, hein. Foiré, va. Tiens, regarde. Tiens, je te laisse une boîte de mun. C'est que je me suis trompé. Eh non mais les gars, non mais les gars. Tu vois, j'ai mis un viseur. J'ai serré les fesses, hein. Je peux te dire que le shoot était pas réellement au rendez-vous, hein. On va pas raconter de mytho. Mais bon, il est mort. Il est mort, c'est tout ce qui compte au final, non? Hop, on va se barrer. Voilà. Bah, je suis plus rubé, je suis plus MME. C'est vrai que la conquête, j'ai du mal. Il y a trop d'informations, c'est trop grand. On passe notre temps à courir. J'ai l'impression que les balles connectent pas. Ça me frustre, ça me stresse. Et du coup, j'attendrai que le jeu sorte pour me faire un vrai avis. Là, ce qu'on a disponible dans la bêta, malheureusement, en termes de gameplay, c'est pas ce que j'aime. Map trop grande en conquête. J'aime bien Battlefield, mais j'ai jamais aimé jouer sur une grande map en conquête. J'ai toujours joué que ce soit en ruée ou en petite domination ou en MME sur la map qui est plus petite ou en tout cas un combat plus rapproché. Là, c'est un peu partout, c'est un peu brouillon, ça n'a jamais été mon kiff. Il y a des gens qui adorent le style Battlefield de toute façon de base, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui se sont hype sur Battlefield sans jamais avoir joué au jeu, ce qui est une grosse erreur. Et qui vont malheureusement se donner un avis final du jeu en ayant vu un stream, une vidéo ou jouer une demi-heure, ce qui est également une grosse erreur. Le jeu aura énormément de choses à proposer, plus que uniquement ce qu'on voit à la bêta, mais au moins ça donne une idée un petit peu du gameplay et de la prise en main. Le gameplay est sympa. Je pense que néanmoins sur Battlefield, il serait préférable pour ma part de jouer plutôt clavier-souris que manette. Je pense réellement que Battlefield est un jeu qui est beaucoup plus opti pour clavier-souris plutôt que manette. A contrario de Call of Duty, qui est un jeu qui est plus opti manette que clavier-souris. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais il y a quand même un potentiel. Au niveau du gameplay, c'est sympa. Après les petites gadgets, les espèces de robots, les tourelles, les machins, pas fan. Et de toute façon, que ça soit Call of, même s'il y en a peu, ou Battlefield, j'ai jamais été fan d'un FPS où il y a des véhicules. Tu vois, vraiment, ça m'a toujours gonflé parce que j'ai l'impression, bah, je me souviens, bah, à l'époque, Call of Duty, ça n'a pas eu beaucoup, mais je me souviens qu'à l'époque, par exemple, de World at War, où il y avait les tanks, les gens passaient leur temps dans les tanks et finalement, tu croisais personne sur la map. Et Battlefield, bah, forcément, c'est un peu différent par rapport à ça. C'est pour ça que je préfère les modes de jeu à petite échelle, parce qu'il n'y a pas de véhicules et au moins, c'est que du FPS pur combat à première personne sans véhicule, et c'est ça que j'aime bien. Donc j'y jouerai quand le jeu sortira, mais c'est vrai que pour ce que nous offre la bêta, c'est pas trop mon kiff, mais en tout cas bah, y a quand même moyen de s'amuser. Et pour les hardcore Battlefield players, je suis sûr que c'est vraiment un pur kiff parce qu'il y a tous ces bons petits éléments qui sont réunis. Voilà, donc c'était mon petit avis par rapport à la bêta, et encore une fois, comme c'est une bêta, on fait un petit avis. Et je veux pas trop pointer la bêta, comme j'ai pas trop pointé la bêta de Call of, parce que je l'ai vu sur certaines années où tu jouais à la bêta, tu jouais à la bêta, tu jouais à la bêta, et finalement le jeu il sort, tu t'es un petit peu dégoûté du truc. Donc on attendra que le jeu il sorte le 19 novembre pour pouvoir tester un peu plus longuement d'autres modes de jeu, d'autres maps. Mais en tout cas, bah, pour une découverte, c'était sympa. J'ai bien aimé. Ça, pas si ouf que ça, parce que voilà, c'est pas ce que j'aime bien, mais sinon j'ai bien aimé.